qui est comme toi, ô Éternel. Magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Personne, tu es le seul, l'unique, le véritable Dieu, le roi majestueux, le glorieux. Ah, nous désirons ta kavod, nous désirons ta gloire, la nuée de gloire sur nos vies. Nous désirons ta gloire comme Moïse. Tout ce qui est en moi crie.
l'Éternel ne t'abandonnera jamais, car il est fidèle. Tu as été trahi par les amis, tu as été trahi par la famille, tu as été trahi par ton conjoint, mais lui, il est fidèle. Il est fidèle. Mon âme chante Alléluia. Alléluia. Mon esprit chante. Du péché, moi j'étais. Père, nous voici dans ta présence pour t'offrir nos cœurs comme un sacrifice agréable, saint, de bonne odeur devant le trône de ta majesté. Père, me voici dans ta présence, t'offrir un chant de louange. Devant ta face, toutes mes craintes s'effacent, mon cœur à genoux déverse mes insuffisances. Je viens, Seigneur, pour céder mon cœur. Je viens boire aux eaux de ta rivière. Je viens décidé à te chercher jusqu'à te trouver. Te trouver. C'est mon désir de te servir, de te servir, de nourrir de ta loi et te plaire. Assoiffé, assoiffé, bien disposé, me réjouir dans ta présence. Il est fidèle. Mon âme chante Alléluia. Alléluia.
péché, moi j'étais. Tu es venu me récupérer. Shalom, shalom, shalom. Shalom, famille TPS, soyez bénis. Ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon. Voilà, gloire à Dieu. Nous disons bonsoir au Saint-Esprit. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Voilà. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, c'est un peu spécial parce que il y a les feux d'artifice juste à côté de chez moi. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre ça dans le live, parce que ça a commencé là. Voilà, pour nous qui sommes en France, nous avons les feux d'artifice aujourd'hui et demain. Et là, ça, ils ont déjà commencé, je n'habite pas loin du tout. Donc, on va essayer, j'espère que le bruit ne va pas trop déranger. Gloire à Dieu. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Voilà. Les feux d'artifice sont en train de... aïe, 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 aïe. De faire du bruit. Mais je pense que ça va aller. Alors s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Invitez quelqu'un à se connecter dans ce live. Gloire à Dieu. Invitez quelqu'un à se connecter. Voilà. Merci Seigneur. Quelqu'un, il y a aussi les feux d'artifice chez moi. Ouais. Là, c'est vraiment... Voilà. Mais pour l'instant, ça va. C'est pas trop fort. Ok. Gloire à Dieu. Soyez bénis les modératrices. Soyez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Ok, j'attends un tout petit peu et nous commençons tout de suite. Alléluia, merci Jésus. Alors, je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce soir. Alléluia, Père de gloire, le Dieu fidèle, nous te bénissons encore ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette session de la guerre de minuit. Merci car nous sommes devant ton trône et nous sommes dans la joie parce que tu vas nous faire du bien. Seigneur, nul ne vient à toi et ne rentre confus. Nul Seigneur n'est tenu par toi et ne sort confus. Alors nous te disons merci parce que nous savons que alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas nous faire du bien. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas encore nous visiter. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas encore ouvrir les portes des exploits dans nos vies. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas ouvrir les portes de l'extraordinaire divin dans nos vies. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas changer tout ce qui est sécheresse, ô Dieu de gloire, en fleuve de bénédiction, en fleuve d'eau vive. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas sécher nos larmes. Alors que nous sommes à tes pieds ce soir, tu vas nous faire du bien. Alors merci pour le Saint-Esprit qui est là. Nous accueillons le Saint-Esprit, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence en nous, au-dedans de nous, à côté de nous, au travers de nous. Nous te disons merci pour ta présence qui nous entoure, qui nous environne comme un manteau. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps de prière et que tu règnes en Maître et en Seigneur. Ô Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pour cela que nous disons, Saint-Esprit, prends la place qui t'est due, prends le contrôle, règne maintenant, fais ce que tu veux. Nous sommes disposés, disponibles à recevoir de toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous disons trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous voulons prier pour
pour nos vies, nous voulons prier. C'est une prière un peu générale, c'est une prière d'intercession, c'est une prière qui est pour nos vies, pour nos maisons, pour nos familles, pour notre nuit, parce que nous savons une chose, que la nuit qu'on soit et le jour enfante. Alléluia. Dans la nuit, il y a beaucoup de mystères qui se passent. Dans la nuit, il y a beaucoup de mystères, c'est-à-dire dans la nuit, la bénédiction est conçue. Alléluia. La bénédiction est conçue dans la nuit et elle est enfantée pendant le jour. Dans la nuit, nous recevons des semences de Dieu, des semences de bénédiction, des semences de grâce, des semences de faveur. Dans la nuit... Dans la nuit, nous recevons aussi des songes, parce que Dieu nous visite dans la nuit. Dans la nuit, bien-aimés, c'est là où le Seigneur nous fait du bien. Mais aussi, dans la nuit, c'est là où aussi l'ennemi profite pour venir mettre les mauvaises semences. Dans la nuit, c'est là où le diable vient pour détruire des vies au travers des rêves, au travers du sommeil. Et c'est pour cela que tu dois toujours prendre la domination sur la nuit dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous allons faire une intercession pêle-mêle par rapport à notre vie, par rapport à notre nuit, par rapport à la protection divine, par rapport aux bénédictions de la nuit, par rapport à la grâce de Dieu dans la nuit, par rapport à la visitation de Dieu dans notre nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, reconnaissons sa présence au milieu de nous. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alors bien, nous allons lire la parole de Dieu dans le psaume 91 à partir du verset 5. La Bible déclare ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Bien-aimés, ici, David nous apprend quelque chose. Le Saint-Esprit nous apprend quelque chose. Que dans la nuit, il y a ce qu'on appelle les terreurs. Alléluia. Ces terreurs, bien-aimés, sont des esprits qui sont assignés contre les enfants de Dieu. Les terreurs, bien-aimés, sont des esprits qui sont assignés contre des vies, contre des destinées, contre des familles et contre des maisons. Vous allez remarquer une personne, avant de dormir, la personne avait d'autres pensées, des bonnes pensées. Mais après, c'est-à-dire, la personne dort dans la nuit, mais le lendemain matin, quand elle se réveille, elle change complètement. Ou bien elle devient, elle prend des décisions comme ça, tu ne comprends pas. Vous avez bien dormi, mais au réveil, elle prend une décision contre toi, une décision radicale contre toi. Ou encore, quand vous avez dormi, elle était apaisée, mais quand elle se réveille, elle se réveille avec un esprit de ressentiment, elle se réveille avec un esprit d'amertume. Mais tu te poses la question, mais et pourtant, hier soir, nous étions en bon terme. Hier soir, on avait bien parlé, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce matin, tu changes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Les terreurs de la nuit. Les terreurs de la nuit sont aussi ces esprits bien-aimés qui viennent injecter des maladies démoniaques dans la vie des personnes, dans la vie des humains. C'est-à-dire, tu dors, quand tu dors la nuit, tu es en bonne santé, mais tu te réveilles, tu es malade. Et d'autres personnes constatent même la maladie déjà dans le rêve. Tu dors, tu es en train de rêver que tu es à l'hôpital, tu es en train de rêver que tu as mal quelque part, ou bien tu es en train de rêver que, je prends un exemple un peu simple, tu rêves que tu t'es cogné et que tu t'es fait mal. Mais quand tu te réveilles dans la journée, bizarrement, tu as mal au même endroit où tu t'es cogné dans ton songe. Tu as mal au même endroit où tu avais mal dans le rêve. Tu as mal au même endroit où tu sentais une douleur. Bien-aimé, quand c'est comme ça, c'est les terreurs de la nuit qui sont à l'œuvre. Il faut les anéantir, il faut les détruire. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la domination sur notre nuit. Alléluia. Nous devons dormir. Nous devons dormir. Comment je vais appeler ça? Nous devons dormir le sommeil. Non, je vais le dire autrement. Nous devons avoir, voilà. Nous devons avoir le sommeil des enfants de Dieu. Écris avec moi le sommeil des enfants de Dieu. Nous devons dormir comme des bébés. Alléluia.
dormir comme des bébés, avoir le sommeil des enfants de Dieu. Nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, les terreurs de la nuit ne vont rien nous faire. Alléluia. Les terreurs de la nuit ne peuvent pas nous toucher. Les terreurs de la nuit ne peuvent pas nous atteindre parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons dormir ou encore nous devons avoir le sommeil des enfants de Dieu. Le sommeil des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un a bien dormi, mais le matin, cette personne ne se réveille pas? Qu'est-ce qui explique que quelqu'un, avant la nuit, était bien, elle a bien dormi, mais le matin, elle se réveille complètement malade, complètement esquintée? Qu'est-ce qui explique que quelqu'un, un couple, je prends l'exemple d'un couple, qui était en bon terme dans la nuit, mais le matin, c'est comme si on a piqué l'un des partenaires une piqûre et ils s'emballent, ils se fâchent. C'est-à-dire, la nuit s'est bien passée, mais la journée devient une guerre. Qu'est-ce qui explique cela? Que la nuit s'est très bien passée, la nuit on s'entendait très bien, mais dans la journée on devient des ennemis. Qu'est-ce qui explique cela? Les mauvaises semences qui sont semées par les terreurs de la nuit, qui sont semées plutôt par des esprits qui ramènent des terreurs, par des esprits qui ramènent des divisions, par des esprits qui ramènent la colère, par des esprits qui ramènent la haine. Qu'est-ce qui explique, bien-aimé, qu'un couple, je dis bien un couple qui s'entend très bien, la nuit qui dort très bien, mais qui se réveille et qui devient un chien et chat? Qu'est-ce qui explique cela? Alléluia, tu dois dormir le sommeil des enfants de Dieu. Tu dois avoir le sommeil des bénis de Dieu. Tu dois dormir comme un enfant. Tu dois avoir un sommeil doux et léger. Tu dois avoir un sommeil. Donc pour cela, tu dois dominer la nuit. Nous devons avoir une domination sur notre nuit, au nom de Jésus. Nous devons avoir la domination sur la nuit. Tu dois dormir avec un esprit supérieur, un esprit de supériorité sur la nuit. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien? Voilà. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que ici, ça commence à chauffer. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur Jésus. Tu dois dormir le sommeil des enfants de Dieu. C'est pour cela, c'est vrai que des fois, on peut avoir passé des moments difficiles. Oui, ça peut arriver et des fois, ça arrive. Mais faisons un effort de dormir en paix. Dors toujours dans la paix. Si tu veux entendre la voix de Dieu dans ton sommeil, tu dois dormir avec un esprit apaisé. Ne dors jamais avec un esprit agité. D'ailleurs, si tu dors avec un esprit agité, sache que tes pensées vont dominer ton rêve. Tes pensées vont dominer tes songes. Tes pensées vont dominer ta nuit et tu vas te voir toujours dans le même problème. Alors que dans la nuit, nous devons entendre la voix de Dieu. Alors nous devons tout faire pour avoir l'esprit apaisé, pour avoir l'esprit en paix, pour avoir l'âme reposée. Tu dois être au repos pour entendre Dieu. Tu ne dois pas être agité. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est... Tu es agité parce que tu as des problèmes, donc tu es agité dans la nuit. Non. Tu peux être agité pour un moment, mais ça ne peut pas être tout le temps. Alléluia. Ne permets pas à toute ta nuit. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Écris avec moi la nuit qu'on soit et le jour enfante. La nuit qu'on soit et le jour enfante. Alors ta nuit doit être une nuit de domination, une nuit de miracle, une nuit de faveur, une nuit de bénédiction, une nuit où tu gagnes les batailles. Parce que dans la nuit, il y a ce qu'on appelle aussi les batailles. Alléluia. Il y a les batailles de la nuit. Et ces batailles de la nuit, bien-aimés, viennent justement des esprits qui ramènent les terreurs. Dans la nuit, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle aussi des terroristes de la nuit, les terroristes spirituels. Vous les voyez souvent quand vous dormez.
Quand tu dors, tu sens un militaire qui te suit. Quand tu dors, tu vois quelqu'un qui te tire dessus, qui vient de nulle part. Quand tu dors, tu vois quelqu'un qui met une bombe. C'est des terroristes spirituels. Ceux qui viennent pour terroriser les gens dans la nuit. Il peut y arriver aussi, bien aimé, tu es en train de dormir et tu vois comme si quelqu'un rentre chez toi. La personne n'a pas la clé. La personne pousse la porte, ils rentrent chez toi, ils envahissent ta maison. C'est les terroristes spirituels. Il faut les détruire, il faut les anéantir dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne permets pas à ce que l'ennemi puisse t'imposer une vie dans la nuit. Il y a des personnes qui ont une double vie dans la nuit. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire que dans le monde physique, tu es peut-être marié, tu n'as pas d'enfant. Ou encore dans le monde physique, tu as des enfants, mais tu n'es pas marié. Mais tu vas voir que dans le monde de la nuit, dans le monde spirituel, tu te vois, toi qui n'as pas d'enfant, tu te vois avec des enfants. Toi qui n'es pas marié, tu te vois être marié. Donc, en fait, on te donne une double vie. Il faut détruire cela au nom de Jésus. Il faut dormir avec un esprit supérieur, c'est-à-dire avec un esprit de domination, un esprit de force des enfants de Dieu, un esprit de puissance. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la nuit, il y a des choses qui se passent. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, que l'homme a trois parties. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est aussi le corps. Et je vous ai toujours dit que ton esprit ne dort pas. Ton âme ne dort pas. Alléluia. Mais par contre, c'est ton corps qui dort. Pourquoi ton corps dort? Parce que le corps a besoin de repos. Mais l'esprit ne dort pas, l'âme ne dort pas, le toi spirituel ne dort pas. Et il y a des personnes qui, dans la nuit, ils voient des choses, on les fait travailler, ils sont esclaves quelque part, ils voient des choses bizarres, ils se voient toujours dans leur village d'origine, ils se voient toujours dans la maison parentale, ils se voient toujours dans les années passées. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia, tu dois dominer ta nuit. La nuit, l'ennemi ne doit pas utiliser la nuit pour t'imposer sa vie, pour t'imposer la servitude. Non, mais toi, tu dois utiliser la nuit pour être béni. Alléluia. Et si tu veux être béni dans la nuit, dors avec un esprit de prière. Dors avec un esprit de paix. Dors avec un esprit de gratitude. Quand tu veux aller dormir, dis-toi, Seigneur, je sais que tu vas me parler. Je suis prêt à écouter tes instructions. Parce que je sais que pendant la nuit, ton esprit m'instruit. Pendant la nuit, tu viens instruire mon cœur. Alléluia. Tu m'instruis pendant la nuit. David, même dans l'un des psaumes, dit, tu m'instruis pendant la nuit. Tu dis, Seigneur, je suis prêt. Alors que je vais dormir, je vais aller au lit. Alors que, Seigneur, je vais passer ma nuit à recevoir de toi les instructions. À recevoir de toi, Seigneur, ta parole. À recevoir de toi la bénédiction. À recevoir de toi la visitation. À recevoir de toi les exploits. Dors avec un esprit de supériorité dans ta nuit. Ne laisse pas l'ennemi t'écraser. Ne laisse pas. Alléluia. C'est dans la nuit aussi, bien-aimé, que nous recevons les révélations de Dieu. Dans la nuit, Dieu te révèle l'état de ta vie. Dans la nuit, Dieu te révèle l'état de ta famille. Dans la nuit, Dieu te révèle l'état de tes enfants. Dans la nuit, Dieu te révèle ton état d'âme à toi-même. Dans la nuit, Dieu te révèle beaucoup de choses. C'est pour cela, bien-aimé, la nuit est bénéfique pour les enfants de Dieu. Parce que c'est là où Dieu nous parle. C'est là où nous mentons, nous rentrons plutôt dans le monde spirituel. Et c'est là où le Saint-Esprit nous montre les choses cachées que nous ne connaissions pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors nous voulons prier, bien-aimés, nous voulons prier, faire une prière d'intercession pour cette nuit. Afin que le Seigneur puisse encore étendre sa main sur nous. Alors que nous sommes dans le mois des exploits, que nous puissions rentrer encore dans des exploits extraordinaires. Celles que notre cœur ne pense même pas. Celles que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Ce qui n'est point monté dans notre cœur. Ce que nous ne pensons même pas dans nos prières. Que nous puissions rentrer dans des exploits extraordinaires. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, sais-tu qu'avec Dieu tu fais des exploits? Sais-tu qu'avec Dieu tu vas aller loin? Sais-tu qu'avec Dieu, alléluia, tu peux vivre des choses extraordinaires? Sais-tu qu'avec Dieu ta vie peut radicalement changer? Tu as juste besoin de la foi. Alléluia. La foi, la Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu dois être dans la foi et croire que le Seigneur est capable de changer ta vie. Non pas d'essayer de changer ta vie, mais de changer ta vie radicalement.
radicalement. Et cette nuit est une nuit de victoire pour toi, où le Seigneur va commencer à changer ta vie. Cette nuit est une nuit de victoire pour toi, où le Seigneur va venir mettre, planter la graine des exploits dans ta vie. Cette nuit est une nuit de victoire pour toi, où le Seigneur va venir combattre pour toi les combats visibles et invisibles. Cette nuit est une nuit des exploits pour toi, où le Seigneur va venir maintenant terminer avec tes adversaires. Cette nuit est une nuit des exploits pour toi, où le Seigneur va te visiter, où le Seigneur va te faire du bien, où le Seigneur va étendre sa main dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas dire ce soir, tendre Père, je te remercie. Je te remercie pour cette journée et je te remercie pour cette nuit. Alléluia. Je te remercie pour cette journée et je te remercie pour cette nuit. Merci car toi, tu ne dors jamais et que tu veilles constamment sur moi et ma maison au nom de Jésus. Merci car toi, tu ne dors jamais et que tu veilles constamment sur moi et sur ma maison au nom de Jésus. Commence à prier avec moi. Remercie le Père ce soir. Remercie le Père pour la journée qu'il t'accorde et remercie-le aussi pour cette nuit qu'il t'accorde. Reconnais dans ta prière que c'est lui qui ne sommeille ni ne dort et qu'il veille constamment sur toi. Reconnais ce soir, reconnais cette nuit, Père, je reconnais que tu veilles constamment sur moi et sur ma famille. Alors je te dis merci. Je reconnais, Seigneur, que tu ne sommeilles ni ne dors et que tu veilles constamment sur moi. Alors de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Car tu veilles constamment sur moi. Je te dis merci cette nuit. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection divine. Merci pour ta vie dans ma vie. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la louange, mon Dieu. Reçois l'exaltation. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé, alors que nous sommes devant le trône de Dieu. Oh, la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher devant le trône de Dieu si nous sommes dans le péché. Nous ne pouvons pas nous approcher du trône de Dieu si nous sommes dans l'incrédulité. C'est pour cela que nous voulons encore demander pardon au Seigneur. Ce soir, là où tu as péché, là où tu fais des choses qui ne... tu as fait ou tu fais des choses qui ne l'ont pas honoré, tu vas demander pardon ce soir. Nous voulons nous repentir devant le trône de sa grâce, afin que nous puissions encore obtenir miséricorde ce soir, afin que notre prière puisse monter, afin que notre prière soit agréée et agréable devant lui, dans le nom de Jésus. Prie avec moi, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tendre Père de gloire, tendre Père de compassion, tendre Père de grâce, je viens encore devant le trône de ta grâce te demander pardon ce soir. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi les pensées de mon cœur. Pardonne-moi les paroles de ma bouche qui ne t'ont pas honoré en cette journée. Mon Père, là où j'ai péché contre toi, je viens ce soir te demander pardon. Te demander pardon. Pardonne les pensées de mon cœur. Pardonne les paroles de ma bouche. Pardonne mes actes, Seigneur. Pardonne-moi ce soir, là où je n'ai pas été à la hauteur d'être une lumière. Pardonne-moi ce soir, là où, Seigneur, ma bouche a trop parlé et que j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur, là où, Seigneur, j'ai mal regardé quelqu'un et la haine est rentrée dans mon cœur. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai consommé la colère au lieu de la rejeter. Pardonne-moi, Seigneur, là où j'ai consommé, Seigneur, le mensonge au lieu de le rejeter. Pardonne-moi, Seigneur, là où, Seigneur, j'ai été injuste alors d'être dans la justice. Pardonne-moi, Seigneur, toute chose que j'ai faite qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, je veux être, Seigneur, oh, pardonné. Ce soir, je veux être, oh, Seigneur, pardonné. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes péchés. Je reconnais mes manquements. Ce soir, Seigneur, et c'est pour cela que je viens devant le trône de ta grâce, te demander pardon ce soir. Pardonne-moi. Pardonne mes enfants. Pardonne ma maison. Pardonne ma famille. Pardonne la tour de prière semeur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
bien-aimé, alors que tu es devant le trône de la grâce de Dieu, alors que nous sommes devant la porte de minuit, tu vas prier, tu vas encore invoquer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse te remplir de sa force, que le Saint-Esprit puisse te remplir de son onction, que le Saint-Esprit puisse te remplir et que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Tu vas tout simplement dire avec moi, très cher Saint-Esprit, ce soir encore, je désire que tu puisses me remplir. Là où il y a des vides dans ma vie, remplis-moi. Cher Saint-Esprit, là où il y a des manquements dans ma vie, restaure-moi. Cher Saint-Esprit, là où il y a des vides dans tous les domaines de ma vie, commence à me remplir. Remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ta faveur, remplis-moi de ta force, remplis-moi de ton amour, remplis-moi Saint-Esprit de toi dans le nom de Jésus. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit ce soir. Désire le Saint-Esprit ce soir. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de capacité, l'esprit de consécration, l'esprit de crainte de l'Éternel, oh, l'esprit de guérison, l'esprit de foi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour exprimer les dons qui sont en toi. Tu as besoin du Saint-Esprit pour recevoir de lui un don qui va te distinguer dans la famille chrétienne. Tu as besoin du Saint-Esprit car c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit car c'est lui qui te prépare à l'enlèvement. Tu as besoin du Saint-Esprit car c'est lui qui connaît mieux que toi-même ce que tu as besoin dans ta vie. C'est pour cela, invite le Saint-Esprit à te remplir ce soir. Alors que tu vas dormir ce soir, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit ce soir, Saint-Esprit, je suis un vase vide, remplis-moi ce soir. Je suis un vase disposé, remplis-moi ce soir. Je suis un vase prêt, remplis-moi ce soir. Cher Saint-Esprit, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir. Je suis ce vase disponible qui veut recevoir de toi, ah, le vin. Je suis ce vase disponible qui veut recevoir de toi l'huile. Je suis ce vase disponible qui veut recevoir de toi les instructions. Je suis ce vase disponible qui veut recevoir de toi, Saint-Esprit. Remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir dans le nom de Jésus. Remplis-moi ce soir dans le nom de Jésus. Remplis-moi de toi, de ton onction, de ta puissance, car je reconnais encore ce soir que c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Car l'Éternel dit, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est pour cela que je soupire après toi. C'est pour cela que je soupire après toi, dans le nom de Jésus. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir de ton feu, le feu de la prière, le feu du combat spirituel, le feu de la consécration, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Excusez-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas encore dire ce soir, mon Père, je te remercie ce soir. Merci pour la protection que tu m'offres, alléluia. Merci pour la protection que tu m'offres quand je dors. Merci pour la protection que tu m'offres pendant la nuit. Merci pour la protection que tu m'offres cette nuit. Alléluia. Merci pour la protection que tu offres à mes enfants. Car tes yeux ne sommeillent ni ne dorment au nom de Jésus. Car tes yeux ne sommeillent ni ne dorment au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Dis encore merci à ton Père ce soir. Mon Père, merci pour la protection divine que tu m'offres, alléluia. Merci pour la protection divine que tu m'accordes. Merci pour la protection que tu accordes à ma maison. Merci pour la protection que tu accordes à mes enfants. Merci pour la protection que tu accordes à ma famille. Merci pour la protection que tu m'offres, Seigneur. Car tes yeux ne sommeillent ni ne dorment, alléluia. Merci car tes yeux ne dorment point. Alors merci pour ta protection. Tes yeux sont constamment sur moi. Tes yeux sont constamment sur tes fidèles. Tes yeux sont constamment sur tes enfants. Tes yeux sont constamment, Seigneur, oh Dieu, sur tes enfants. Alors je te dis merci ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors que, bien-aimés, nous prions pour notre nuit, nous prions pour notre nuit, tu vas dire ce soir, oh mon Père,
Mon Père, je recommande ce soir, alléluia, je recommande ce soir mon corps, mon âme et mon esprit, alléluia. Je recommande ce soir mon corps, mon âme et mon esprit à tes soins, alléluia. Recommande ton corps, recommande ton âme, recommande ton esprit aux soins de Dieu, alléluia. Je recommande, mon Père, mon corps, mon âme et mon esprit à tes soins cette nuit au nom de Jésus. Oui, mon Père, je te recommande mon corps, je te recommande ma vie. Comme je vais aller dormir, comme je vais aller au lit, comme, Seigneur, je vais aller me reposer, je te recommande mon corps, je te recommande mon âme, je te recommande mon esprit, je recommande mon esprit à tes soins, je recommande mon âme à tes soins, je recommande mon corps à tes soins, je recommande mon sommeil à tes soins, dans le nom de Jésus. Oh, bien-aimé, prie, dis au Seigneur que cette nuit, tu lui recommandes ton corps. C'est pour cela que je dis, même si tu es malade, parce que tu recommandes ton corps à l'Éternel, parce que tu recommandes ton corps au Père, parce que tu recommandes ton corps à Dieu, parce que tu recommandes ton corps au Seigneur, quand tu seras en train de dormir, il va mettre la guérison. Il va injecter la guérison dans ton corps. Alléluia. Parce que tu recommandes ton âme alors que tu vas aller dormir aux soins de Dieu, entre les mains de Dieu. Je déclare que quand tu vas dormir, ton âme va recevoir le repos de Dieu. Dans le nom de Jésus. Ton âme va recevoir le repos de Dieu. Parce que tu recommandes ton esprit. Oh, tu recommandes ton esprit aux soins de l'Éternel, aux soins du Père. Oh, je déclare ce soir qu'alors que tu vas dormir, ton esprit sera apaisé, ton esprit ne sera pas agité, ton esprit sera en paix dans le nom de Jésus. Je te recommande, mon Père, ce soir, tous les domaines de ma vie. Je te recommande, mon Père, ce soir, tout mon être entier. Oh, mon corps, mon âme et mon esprit. Oh, à tes soins, Seigneur, que tu prennes le contrôle et que tu règnes en cette nuit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alors que je vais dormir, que cela soit sous ton contrôle. Alors que mes enfants vont dormir, que leur cœur, leur corps, leur âme et leur esprit soient sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas déclarer ce soir. Oh Seigneur. Oh Seigneur, alors que je me tiens à la porte de minuit, oh, je réclame un profond sommeil et reposant au nom de Jésus. Je réclame un profond sommeil et reposant dans le nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit ce que tu as vécu aujourd'hui, quelles que soient les agitations que tu as pu vivre aujourd'hui, réclame un sommeil reposant. Je réclame un sommeil reposant. Je réclame un sommeil doux. Je réclame un sommeil léger au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un sommeil doux, un sommeil reposant, un sommeil léger au nom puissant de Jésus. Un profond sommeil qui reçoit les songes de Dieu. Un profond sommeil qui reçoit les révélations de Dieu. Un profond sommeil qui ramène la paix. Un profond sommeil qui n'est pas agité dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, je réclame un profond sommeil dans la vie de mes enfants cette nuit. Je réclame un profond sommeil dans ma maison cette nuit, dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, dans le profond sommeil que Dieu donne, il fait des miracles. C'est pour cela que Dieu a fait dormir à Adam un profond sommeil. Pourquoi? Pour sortir Ève de sa côte. Quand Dieu te donne un profond sommeil, c'est qu'il va ressortir quelque chose en toi. Que le profond sommeil que Dieu te donne cette nuit puisse sortir ta bénédiction. Que le profond sommeil que Dieu te donne cette nuit puisse sortir, puisse engendrer ta bénédiction. Puisse engendrer quelque chose qui va ramener des exploits dans ta vie. Puisse engendrer ta guérison. Puisse engendrer ta bénédiction. Que le profond sommeil que Dieu va te donner cette nuit puisse engendrer ta prospérité. Que le profond sommeil que Dieu va te donner cette nuit puisse engendrer ta percée dans le nom de Jésus. Qu'il te donne un profond sommeil et reposant cette nuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu fit dormir Adam d'un profond sommeil. Au travers de ce profond sommeil, bien-aimé, Dieu a tiré Ève. Au travers de ce profond sommeil, Dieu a tiré Ève. Ève était la bénédiction. Oh, que tu puisses recevoir la grâce cette nuit du profond sommeil. Et que tout ce que tu avais perdu, parce que tu vas recevoir le profond sommeil de la bénédiction de Dieu, que ce que tu avais perdu puisse revenir à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, ô cher Saint-Esprit, ô cher Saint-Esprit, alors que je vais dormir, oh, alors que je vais dormir, sécurise-moi contre tous les dangers de la nuit au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, alors que je vais dormir, sécurise-moi contre tous les dangers de la nuit. Sécurise-moi contre les terreurs de la nuit. Sécurise-moi contre toute mauvaise chose qui peut venir de la maison de mon père, de la maison de ma mère ou encore des méchants dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à prier. Demande au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, alors que je vais dormir, sécurise-moi, sécurise ma vie, sécurise mes enfants contre tous les dangers de la nuit au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, dans la nuit, il y a beaucoup de dangers. Dans la nuit, il y a beaucoup de dangers. Que tu sois sécurisé, sécurisé contre tous les dangers de la nuit au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu travailles la nuit, là où quand les gens dorment, toi tu es en train de travailler. Oh, que le Saint-Esprit te protège contre les dangers de la nuit. Peut-être que, bien-aimé, toi tu seras en train de dormir. Dans le sommeil, tu peux avoir des attaques invisibles. Que le Saint-Esprit te protège contre les dangers de la nuit. Peut-être que toi, bien-aimé, ton travail demande que tu puisses être dans la sécurité. Donc, tu es dans la sécurité et tu surveilles les bâtiments. Tu ne dors pas. Il n'y a personne. Tu es seul. Oh, que le Saint-Esprit te protège ce soir. Te protège cette nuit contre tous les dangers de la nuit. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander au Saint-Esprit pour cette nuit encore. Tu vas dire au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit, libère-moi des rêves sataniques. Oh my God. Très cher Saint-Esprit, libère-moi des rêves sataniques au nom puissant de Jésus. Libère-moi des rêves sataniques. Libère-moi des rêves turbulents. Libère-moi des rêves qui ramènent l'anxiété au nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de minuit, libère-moi des rêves anxieux. Libère-moi des rêves sataniques. Libère-moi des rêves de la sorcellerie au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu dors et que tu rêves toujours, tu es en train de manger. Si tu dors et que tu rêves toujours que tu es avec quelqu'un en train d'avoir une relation, si tu dors et que tu rêves toujours que tu es en train de te faire quelque chose, en train de travailler, que le Seigneur, que le Saint-Esprit te libère ce soir de tout rêve satanique au nom de Jésus. Tout rêve que tu fais qui est inspiré de la sorcellerie, qui vient du monde des ténèbres afin de maudire ta vie, afin de stagner ta vie, afin de ramener des malédictions dans ta vie, que cela soit arrêté ce soir, que cela soit arrêté cette nuit, que toutes les manigances du diable contre toi au travers des rêves soient arrêtées cette nuit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, demande au Saint-Esprit de te libérer, de te délivrer des rêves sataniques, des rêves turbulents, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Très cher Saint-Esprit, alors que je me tiens à la porte de minuit, je te prie de me libérer des rêves de destruction. Oh, que l'ennemi ne me détruise plus au travers des rêves. Que l'ennemi ne me touche plus au travers des rêves. Que mes rêves ne puissent plus être des pans qui font en sorte que l'ennemi me touche. Que mes rêves ne soient plus des tremplins qui ramènent les esprits méchants, qui ramènent les terreurs de la nuit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libère-moi cette nuit, libère-moi cette nuit, libère-moi cette nuit des rêves sataniques dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que quand tu dors, tu as des pensées. Tu as des pensées qui n'honorent pas Dieu. Tu as des pensées de peur. Tu as des pensées de honte. Tu as des pensées parce que avant de dormir, notre esprit et notre pensée travaillent. Notre esprit travaille. Nous avons beaucoup de pensées qui s'agitent à l'intérieur de nous. Tu peux penser à ta journée. Tu peux penser à beaucoup de choses, aux échecs, à beaucoup de choses. Alors tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit. Et tu vas dire au Saint-Esprit, très cher Saint-Esprit,
Libère-moi cette nuit des pensées anxieuses. Libère-moi cette nuit des pensées anxieuses. Alléluia. Au nom de Jésus. Libère-moi des pensées anxieuses. Libère-moi des pensées de honte dans mes rêves. Au nom de Jésus. Libère-moi. Libère-moi des pensées anxieuses et honteuses dans mes rêves. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, quand tu dors avec des pensées anxieuses, ça te suit dans tes rêves. Ça vient imposer, t'imposer ce que tu dois rêver. Ça vient t'imposer des choses, ça vient te dominer. Refuse cela. Demande au Saint-Esprit de te libérer ce soir des pensées anxieuses. Oh, très cher Saint-Esprit, libère-moi ce soir des pensées anxieuses dans mes rêves. Libère-moi ce soir des pensées honteuses dans mes rêves, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Très cher Saint-Esprit, libère-moi ce soir des pensées anxieuses dans mes rêves, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, sois libéré ce soir, au nom puissant de Jésus. Oui, il y a peut-être quelque chose qui te fait honte, quelque chose qui te fait poser des questions, quelque chose qui te rend anxieux, une pensée qui envahit ton esprit et cela t'empêche de dormir. Sois libéré de cela, au nom de Jésus. Sois libéré de cela, au nom de Jésus. Sois délivré de cela, au nom de Jésus. Sois libéré de cela, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que tu sois libéré ce soir, que tu sois délivré ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, dans la nuit, le Père nous visite. David a dit, si tu visites mon cœur dans la nuit, si tu me visites pendant la nuit, si tu me visites pendant la nuit, oui, l'Éternel, notre Dieu, nous visite pendant la nuit. Le Saint-Esprit nous visite pendant la nuit. Le Seigneur Jésus nous visite pendant la nuit. Les anges nous visitent pendant la nuit. Alors tu vas prier avec moi et tu vas dire avec moi, oh Seigneur, oh Seigneur, que je puisse sentir ta présence dans ma nuit, que je puisse sentir ta présence. Cher Saint-Esprit, alors que je serai en train de dormir cette nuit, que je puisse sentir ta présence, que je puisse sentir ta présence. Oh, fais-moi sentir ta présence. Fais-moi sentir l'éclat de ta présence. Fais-moi sentir la douceur de ta présence. Fais-moi sentir ta présence à côté de moi. Très cher Saint-Esprit, mon Père bien-aimé, tu peux solliciter le Saint-Esprit, tu peux dire le Père, tu peux dire le Seigneur Jésus. Tout, c'est la même chose. Alléluia. Tu peux dire, dis ce que le Saint-Esprit t'inspire et tu dis, bien-aimé, que tu veux sentir sa présence. Tu veux sentir sa présence dans ta nuit. Oui, que tu puisses sentir la présence de Dieu. Oh mon Père, alors que je serai en train de dormir cette nuit, fais-moi sentir ta présence. Fais-moi voir l'éclat de ta présence. Fais-moi voir l'éclat de ta présence. Fais-moi sentir le vent doux de ta présence. Fais-moi sentir le vent doux de ta présence. Ton vent doux, oh, qui apaise. Ton vent doux qui libère. Ton vent doux, alléluia, qui ramène la guérison. Fais-moi sentir, alléluia, ta présence en cette nuit. Oh, je veux sentir ta présence, très cher Saint-Esprit. Alors que je serai en train de dormir, je veux être couvert par le manteau de ta présence. Je veux être couvert par le manteau de ton amour. Je veux être couvert par le manteau de ta guérison. Je veux être couvert par le manteau de ton amour. Très cher Saint-Esprit, en cette nuit, fais-moi sentir ta présence. Fais-moi sentir ta présence. Fais-moi sentir ta présence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, il y a des personnes, quand ils dorment, ils sont oppressés, ils ne peuvent pas dormir. Alors, ils ont des insomnies. Tu vas tout simplement dire ce soir, au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit ce soir, je me détache des liens de l'insomnie au nom de Jésus. Je me détache des liens de l'insomnie, quelle que soit ma douleur, quelle que soit mon épreuve, quel que soit mon problème. Oh, je déclare ce soir, je me détache des liens de l'insomnie au nom puissant de Jésus. L'insomnie ne va pas trouver mon corps. L'insomnie ne va pas trouver ma maison. L'insomnie ne va pas
pas trouvé ma vie. Je me détache du lien de l'insomnie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je me détache de ce lien. Je me détache de ce lien. Je me libère de ce lien. Je m'échappe de ces liens. Je me libère du lien des insomnies au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, libère-toi. Détache les liens. Détache les liens de l'insomnie. Que tu ne puisses plus avoir des insomnies parce que tu as des problèmes. Que tu ne puisses plus avoir des insomnies parce que tu souffres. Que tu ne puisses plus avoir des insomnies parce que les choses sont difficiles. Que tu ne puisses plus avoir des insomnies parce que c'est dur pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, peut-être que quand tu dors, tu sens des oppressions. L'oppresseur, les terreurs de la nuit. Profite de la nuit pour venir terroriser. Profite de la nuit pour ramener des oppressions. Alors tu vas prendre autorité par le pouvoir qui t'a été donné, par l'autorité que tu as reçue du nom de Jésus. Tu vas dire ce soir, je brise au nom de Jésus le joug de l'oppresseur au nom de Jésus. Je brise cette nuit le joug de l'oppresseur sur ma vie au nom puissant de Jésus. Tu peux encore le dire autrement? Au nom puissant de Jésus, alors que je me tiens à la porte de minuit, je viens briser tout joug que m'impose l'oppresseur pendant que je dors. Je viens détruire tout joug venant de l'oppresseur pendant que je dors au nom puissant de Jésus. Je brise les jougs qui viennent dans mon sommeil. Je brise les jougs qui viennent dans mes rêves. Je brise les jougs qui viennent dans mon sommeil dans le nom de Jésus. Quand on parle de joug, bien-aimé, c'est le poids, c'est la servitude, c'est la douleur, c'est ce qu'on t'impose de mauvais alors que tu es en train de dormir. Oh, brise cela au nom de Jésus. Je viens briser cela cette nuit. Je viens briser cela cette nuit dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh bien-aimé, tu vas déclarer ce soir. Tu vas dire ce soir au nom puissant de Jésus. Alors que tu es en train de prier pour ta nuit. Alors que tu es en train de prier pour ton sommeil. Alors que tu es en train de préparer ta journée de demain. Déclare avec moi. Je déclare ce soir que je dors béni et je me réveille béni. Au nom de Jésus. Je déclare en cette nuit que je dors béni et je me réveillerai béni ou encore et je me réveille béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dors béni. C'est-à-dire, là où je suis, je vais dormir maintenant, je suis béni. Et je vais aussi me réveiller en étant béni. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma nuit est bénie. Et je déclare que ma journée de demain sera aussi bénie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, je dors avec la semence de la bénédiction. Demain, je vais me réveiller avec la récolte de la bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je dors avec la semence de la bénédiction. Et demain, je vais me réveiller avec la moisson de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que ma nuit est une nuit bénie. Je déclare ce soir que ma nuit est une nuit profitable. Je déclare ce soir que ma nuit est une nuit de bénédiction. Et mon réveil sera un réveil de bénédiction glorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors tu vas dire avec moi pour terminer. Tu vas dire mon Père, merci pour le sommeil doux. Pour le sommeil doux et léger que tu m'accordes. Au nom de Jésus. Merci pour le sommeil doux, le sommeil léger, le sommeil de bénédiction, le sommeil de percée, le sommeil de miracle, le sommeil des exploits que tu m'accordes au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare sur ta nuit, déclare que tu as un sommeil doux, que l'Éternel te donne un sommeil doux, un sommeil de bénédiction, un sommeil de visitation, un sommeil de témoignage, un sommeil d'éclat, un sommeil de grandes choses dans le nom de Jésus, un sommeil doux, un sommeil léger, un sommeil profond en révélation, un sommeil profond en songe dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia.
Oh, j'ai un sujet qui monte dans mon cœur. On va le faire. Un sujet qui monte dans mon cœur. Tu vas dire avec moi, mon Père, pendant que je serai en train de dormir dans ta présence, alléluia, que mon sommeil puisse attirer à moi tout ce que j'ai perdu. Que mon sommeil de bénédiction puisse attirer à moi tout ce que j'ai perdu. En fait, bien-aimé, alors que tu seras en train de dormir, les choses qui t'ont quitté, les choses qu'on t'a pris, les choses qu'on t'a enlevées vont revenir vers toi, vont te localiser, car ton sommeil est béni. Dans le nom de Jésus, ton sommeil est béni. Ton sommeil est un sommeil de bénédiction. Ton sommeil est un sommeil de faveur. Ton sommeil est un sommeil de grâce. Ton sommeil est un sommeil de bénédiction glorieux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ton sommeil est un sommeil de faveur. Ton sommeil est un sommeil de grâce. Ton sommeil est un sommeil de visitation divine. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, commence à dire merci au Seigneur. Dis merci pour l'exaucement. Dis encore avec moi, Seigneur, je te remercie. Merci pour l'exaucement. Merci car tu m'as exaucé. Merci car tu as exaucé ma maison. Merci car tu as exaucé ma vie. Merci car tu as exaucé ma famille. Merci car tu m'as exaucé. Tu as exaucé ma prière. Je te dis merci. Merci pour cette nuit de visitation. Merci pour cette nuit de bénédiction. Merci pour cette nuit de faveur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, je te dis merci Seigneur, merci car tu m'as fait du bien, tu as fait du bien à mon frère, tu as fait du bien à ma soeur, tu as fait du bien à la tour de prière semeur, tu as fait du bien à tes enfants, nous te disons merci, reçois la gloire, reçois la louange, reçois la magnificence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia. Pour l'exaucement. Alors bien aimé, si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière semeur, ne partez pas si vite. Cliquez juste sur s'abonner et sur la cloche des notifications. Alléluia. Et si aussi vous êtes là depuis longtemps, ne partez pas si vite. Vous pouvez rejoindre le club, je peux pas appeler ça comme ça, des membres, les membres de soutien. Prenez un abonnement pour soutenir la chaîne avec un petit quelque chose chaque mois. Alors cliquez juste sur l'onglet « Rejoindre » et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Soyez bénis vous qui avez partagé cette vidéo. Soyez bénis vous qui avez invité des amis à se connecter. Soyez bénis. Alors s'il vous plaît, ne partez pas non plus si vite. Cliquez juste sur « J'aime la vidéo ». Aimer la vidéo est un moyen de propulser, d'évangéliser, est un moyen de présenter le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand vous aimez la vidéo, quand vous aimez plutôt la vidéo, vous permettez tout simplement à l'algorithme de YouTube de mettre la vidéo dans un bon classement qui va permettre à quelqu'un, peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, de voir la vidéo. Alors, la deuxième chose que vous devez savoir, quand vous aimez la vidéo, je vous ai toujours dit, nous sommes dans le monde spirituel, c'est un moyen de laisser un cachet, un moyen de dire, je l'ai Seigneur, je dis Amen. Quand tu dis Amen, Amen veut tout simplement dire, ainsi soit-il, qu'il me soit fait ainsi. Alors, quand tu aimes la vidéo, c'est une manière de dire, qu'il me soit fait ainsi, c'est-à-dire, tous les sujets que nous avons fait ici, que cela me soit fait ainsi au nom de Jésus. Que le Seigneur m'accorde là. Alors je laisse ma signature, je laisse mon cachet, je laisse mon doigt parce que j'ai fait cette prière. Alléluia. C'est aussi un signe spirituel. J'appelle cela un signe spirituel. Ça, ça n'engage que moi. C'est ce que j'ai reçu de l'Esprit. Ça n'engage que moi. Quand tu laisses cela, alors tu dis tout simplement que je reçois ce qui a été déclaré ici. C'est pour cela que je vous encourage à aimer les vidéos. Je vous encourage à vous connecter. Ne soyez pas seulement ceux qui écoutent, mais essayez de vous connecter et d'aimer les vidéos. Alléluia, c'est très important. C'est pour cela aussi, quand on prêche la vérité et que quelqu'un vient mettre un pouce en bas, c'est son problème. Il vient tout simplement signer, je suis contre ça. C'est son problème. Amen. Mais quand toi, tu dis, Seigneur, j'accepte. Seigneur, fais-moi selon que ta servante a déclaré, fais-moi selon que nous avons prié ici. Cela va se faire ainsi. Et Dieu qui n'oublie pas, Dieu qui est le Dieu de souvenirs, n'oubliez jamais, Dieu se souviendra même de tout. Ne négligez pas la technologie. Oh, c'est la technologie. Non, Dieu se souviendra de choses, de beaucoup, de tout. Ce que tu as dans ton téléphone, le Seigneur le sait.
Tout ce que tu caches dans ton téléphone, le Seigneur le sait. Et c'est des choses qui peuvent te condamner un jour devant le Seigneur. C'est pour cela que tu dois être correct. Tu dois être dans la sanctification. Tout ce que tu écris dans ton téléphone contre quelqu'un, tu penses que c'est seulement un téléphone. Mais ces choses-là vont nous accuser devant Dieu. Pourquoi? C'est que la technologie, c'est que le téléphone. Mais en réalité, même ton téléphone sera exploré par les anges. Seulement, ce que je dis n'engage que moi. Tu te retrouves devant Dieu. Tu avais dit quelque chose. Moi, je n'ai jamais dit ça. On prend ton téléphone, hop, tac, 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 si tu l'avais écrit quelque part. Pourquoi? Ça reste. Alors, quand tu aimes la vidéo, ça reste. Même si tu as oublié la prière, mais Dieu qui regarde dans son livre de souvenirs se souvient qu'elle avait fait une prière tel jour. Son doigt est ici. Elle était là. Il y a un signe. C'est-à-dire, ton like va témoigner pour toi. Je vous parle des choses spirituelles que beaucoup peuvent négliger. Ils se disent non, bien aimé, même si les pierres peuvent acclamer Dieu, si Jésus dit que même si vous refusez d'acclamer, les pierres vont acclamer. Bien aimé, ces téléphones que nous tenons, tout ce que nous avons comme technologie aujourd'hui, tout ce que nous avons comme informatique, tout ce que nous utilisons, bien aimé, toutes ces choses-là vont parler aussi devant Dieu pour nous. Tout cela va parler. Alléluia. Alors je vous encourage à le faire. Non pas question de marketing ou quoi que ce soit, mais je vous parle tout simplement spirituellement. Il y a le côté marketing, oui, pour que l'algorithme puisse monter, mais surtout le côté spirituel, faites-le, ça ne vous coûte absolument rien. Faites-le, c'est très important. Et ça aussi, ça aide à quelqu'un d'évangéliser. Quelqu'un écrit, les anges enquêteurs sont là. Alléluia. Bien aimé, si Google peut te tracer, Google te trace, tout ce que tu fais, tu es tracé. Ça, vous pensez que les anges ne vous tracent pas? Ils nous tracent aussi. Ils connaissent tout. Ils savent tout ce qui se passe dans vos vies. Si l'homme a créé la technologie, ne vous inquiétez pas. Dieu n'est pas surpris par ça. Il est le premier technologue. Je ne sais pas si je peux le dire. Le premier scientifique, le premier, tout ce que vous voulez. C'est d'abord Dieu. Alléluia. C'est d'abord Dieu. Il est au-dessus de tout. Voilà. Au-delà des scientifiques, Dieu est le véritable scientifique. Il a créé toutes choses bonnes, toutes choses bien agencées, toutes choses bien faites. Alléluia, on utilise seulement ce que Dieu a créé pour ressortir la technologie, pour ressortir des inventions sur ce que Dieu a déjà créé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Sinon, je vais rentrer dans une prédication, ce n'est pas, ou un enseignement, ce n'est pas le sujet ici. Alors, on se retrouve demain matin à 4h15 pour dévancer l'aurore. Alors, si vous avez été béni, mettez juste béni, béni, béni et aimez la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, soyez béni et... Donc, à tout à l'heure. Soyez bénis et fortifiés. On est ensemble. On est ensemble. Et nous avons la victoire. Vraiment, je vous encourage à tenir bon. Nous avons la victoire. Ceux qui n'ont pas été là à midi, suivez la vidéo de la prière de midi. Cette vidéo-là de midi, il y a pas mal des choses que j'ai dites et qui peuvent peut-être vous aider, qui peuvent vous éclaircir un peu dans votre pensée. Voilà. Écoutez ça et le Seigneur vous fera du bien. Le Saint-Esprit vous fera du bien. Soyez bénis. Donc, à très bientôt. Je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, 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 ciao. Et excellente nuit dans sa présence. Soyez bénis, bénis, bénis. Ciao, ciao. Tu es le Dieu de mon cœur, tu es le
l'Éternel des armées, que tous ceux qui respirent glorifient le nom du Tout-Puissant. Qui est comme toi et digne d'être adoré. Qui est comme toi et digne d'être adoré. Qui est comme toi et digne d'être adoré. Qui est digne. Qui est comme toi et digne d'être adoré. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Mon salut. Et mon salut. En toi j'ai la vie. Bataille. En toi